Mesdames, messieurs, bien le bonjour, bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien perso, ça vous pique comme d'hab les potes. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui, pourquoi? Parce que aujourd'hui les potes, on va regarder un petit peu la toute nouvelle mise à jour qu'il y a eu sur Brawl Stars. Comme vous pouvez le voir, voilà, ça y est, je lance tout juste le jeu. Je ne l'ai pas lancé après avoir fait la mise à jour, j'attendais de tourner justement. Donc on voit déjà le petit message qu'il y a ici, le rang 20 n'est plus le rang maximum. Les brawlers peuvent désormais atteindre le rang 35 qui fait 1250 trophées. Vous avez reçu 0 points star et 100 jetons pour les brawlers qui ont monté de rang. Alors a priori, moi justement, j'ai rien récupéré de particulier, ouais, juste 100 jetons, hein, voilà, j'ai rien récupéré de particulier étant donné qu'ils sont tous rang 20. J'ai débloqué du coup Arcade, le nouveau perso disponible à partir de 6000 trophées, vous pouvez le voir, vous avez pu le voir juste ici. On va essayer donc d'ouvrir peut-être une petite boîte juste ici, bah, dans tous les cas on va obtenir des points de pouvoir dessus pour pouvoir le monter peut-être un petit peu, pas suffisamment malheureusement, mais ça attendra un petit peu après. Le Brawl Ball est devenu un mode définitif, vous pouvez le voir juste ici, voilà, maintenant il est devenu en définitif. Et ici, le braquage, le siège et le prime seront des modes qui vont cycler, alterner beaucoup plus rapidement. On va faire un petit tour dans le magasin, voir ce que l'on a. On a du coup la possibilité maintenant de pouvoir acheter des grosses boîtes et des méga boîtes avec du coup les points stars que l'on a obtenus en fin de saison justement. Donc on va pouvoir, imaginons, s'en prendre quelques-unes tout à l'heure, voire une justement. Je sais pas si on peut s'en prendre une ou plusieurs. On verra bien ça. Au niveau des skins, rien n'a changé dans mon shop en tout cas. Je parle bien dans mon shop parce que justement, regardez juste ici, Polly en rose à 500 points stars que je me prends tout de suite justement parce que je trouve ce skin magnifique. Ça fait le premier skin sur Piper quoi, voilà, sur ma Polly qui est ma Polly. J'espère d'ailleurs que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires comme d'hab en me proposant peut-être du contenu ou autre à faire pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, me suivre sur Twitch et bien évidemment sur les réseaux sociaux, tout est dans la description. Abonnez-vous d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait. Bref, dans l'affaire du jour, gratuit, juste ici, on va récupérer notre petit doubleur de jetons, c'est impeccable comme ceci. On va récupérer également pour 10 pièces les 5 points stars sur Arcade. Et ici, on va récupérer du coup une grosse boîte, que j'ai 6300 points stars, donc je préfère récupérer les grosses boîtes que me prendre un skin, je pense. Donc, on va voir ce que j'ai dedans dans la grosse boîte, 81 pièces, d'accord, avec 32 arcades et 2 tickets d'événements, des codes. Et là, dans l'offre, ah, mais c'est des boîtes qui partent en fait, d'accord, ok. Ce ne sont que des offres spéciales, ok, je comprends mieux, d'accord. Et là, on va prendre du coup la méga boîte à 1500 points star, étant donné que bah, j'en ai suffisamment. Ça fait 320 pièces, nickel, avec 140 points de pouvoir sur Arcade, 2 tickets d'événement et 5 gemmes. A savoir que les 130 gemmes que j'ai là-haut, les potes, ce sont des gemmes que j'ai réussi à obtenir uniquement avec la force de mes boîtes. Une autre petite boîte que j'avais, 64 pièces avec 6 arcades, nickel, je vais pouvoir le passer au niveau supérieur là, pas mal quoi. Hop là, on le monte, 2, 3, 4, ok, on a réussi à le passer au pouvoir 5, c'est pas dégueulasse, c'est déjà pas mal, 0 trophée pouvoir 5, c'est cool. C'est dommage du coup qu'ils aient pas changé la progression des trophées, ça aurait été cool de pouvoir faire ça, d'augmenter du coup la progression des trophées, parce que du coup, bah, ils nous mettent des rangs supérieurs, par exemple rang 35, mais ils nous mettent pas du coup bah, de bonus supplémentaires, ça c'est con. Moi avec la fin de saison, j'ai perdu 400 trophées, j'étais à 14400 et là maintenant je me retrouve bah, à 14026, voilà, c'est ridicule. On va partir du coup avec Arcade, on va lancer une partie en Brawl Ball du coup, dans le nouveau Brawl Ball, le Brawl Ball qui est tout juste disponible en définitif. C'est vraiment l'un des meilleurs modes, même si c'est un peu dommage pour ceux qui préféraient le prime, le braquage ou le mode siège. Mais c'est pas grave, on lance du coup avec Arcade en espérant que ça trouve une partie et on va essayer bah, de voir un petit peu ce que ça vaut du coup vu qu'on l'a passé au niveau 5. Attendez, je vais juste faire un petit truc, j'ai même pas regardé qu'est-ce qu'il faisait comme dégâts. Alors il a 5160 HP, d'accord, 408 dégâts par rayon, ok, donc il en lance pas mal en plus. Et son super lui donne un boost de 30% de dégâts, ok, c'est pas mal. Donc on va pouvoir voir, on lance la game et on attendra de voir. Ok, c'est parfait, ça m'a trouvé une partie impeccable, on va pouvoir tester ce nouveau perso magnifique. Regardez maintenant une chose toute nouvelle, c'est qu'apparemment on peut passer sur le côté juste ici, absolument pas. Alors qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va donner? Oh là 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 là, il fait quand même pas mal de dégâts, il fait quand même pas mal de dégâts le gros cochon. Oui, moi je vous le dis, il fait des dégâts le salopard, hein. Il en fait, hop là, on a récupéré le ballon, impeccable, on fait la passe juste là-haut. Là comment ça va se passer, la petite Piper là-haut avec Piper Rose que je vais tester tout à l'heure, je vais essayer de la tester étant donné que c'est le nouveau skin et que j'ai bien envie de me faire plaisir avec. Là on pose notre ulti pour obtenir notre bonus de dégâts sur nos ennemis. Donc bon, on a plus de bonus là, c'est dommage. On a fait le kill de la grosse pam dégueulasse. On va essayer de se rediriger à gauche. On va faire une passe comme ça directement. Hop là, la passe au mid qui passe, qui fait plaisir, qui fait du bien. Attention, on attaque, on attaque, on attaque. Ouh, je suis mort mais j'ai fait mon kill. C'est vraiment pas facile quand même hein, ce genre d'attaque, ce genre de partie. C'est pas facile. À chaque fois qu'il y a un nouveau perso, c'est jamais très simple dans le sens où bah du coup voilà, il y a un nouveau perso. Donc forcément
bah, forcément, il y a tout le monde qui prend ce nouveau perso. Hein. Ça, c'est, ça, ça a jamais été simple. Alors, une Piper boostée avec l'ulti de Arcade, je me demande ce que ça vaut. Je pense qu'à mon avis, ça doit faire vachement mal. Je vais essayer de voir si jamais tout à l'heure, en lançant une partie en Brawl Ball, peut-être, ou alors en survivant duo, si jamais j'arrive à tomber avec un Arcade, si jamais c'est le cas, on pourra voir du coup ce que ça vaut, du coup, une Piper boostée. Hein. Mais à mon avis, ça doit bien faire des dégâts. Là, rien que là, déjà, on peut voir que les 30% qu'il met en plus comme dégâts, c'est incroyable. Oh là là, ils ont pas mis le but. Ah, ils doivent être dégoûtés. Ils doivent vraiment être dégoûtés. C'est con. Hein. Mais alors vraiment 30% de dégâts, du coup je le disais, c'est énorme hein, quand même. C'est vraiment énorme. Hein. Et là une Piper boostée par les 30 dégâts, ça doit être par les 30%, ça doit vraiment faire mal. Je préfère pas imaginer. Alors pour l'instant il y a toujours du 0-0. Est-ce que là on va arriver à mettre le but ou pas? Oui, je vais arriver à mettre le but et c'est la victoire à une seconde de la fin. Mais oui, le but du joueur de Kakalash, mon pote, à 0 trophée. Ah, ils doivent être versés. Impeccable, le nouveau perso du coup, je le trouve sympa. Hein. Première partie, premier test que je fais avec, je le trouve sympa, ça y est, ça commence. Attention. J'apprécie ce nouveau perso, vraiment, je vous le dis, je l'apprécie. Maintenant, ce que je vais aller voir, c'est ma Piper. Et oui, je veux aller voir ma Piper. Attention, où est-ce qu'elle est? Elle est là, oh là là. Ça, c'est le skin poly en rose, et ça, c'est le skin normal de poly, de Piper. Le skin bleu et poly en rose. On va aller la tester, bien évidemment, on va se faire une partie en Brawl Ball, hein. On va tenter ça. On va tenter, et on va voir ce que ça vaut, si ça vaut le coup ou pas de la jouer. En gros, tu payes 500 points star pour avoir une robe rose. Bon, c'est déjà beau, c'est quand même joli. Bon après, ça va que c'est pas très cher, 500 points star, qu'on les obtient quand même assez rapidement aussi. Hein, faut pas abuser non plus, parce que 500 points star, sinon ça... Enfin, si ça a coûté plus cher, ça aurait foutu les boules. Hop là, là on met le but, parfait, on a géré. Là franchement, je vous le dis, là on a géré. On a mis un petit but, mon pote, il était pas piqué des hannetons, hein, comme dirait Mixem. Moi, je me suis fait avoir par le lion qui est venu vers moi en mode insolent. Il m'a défoncé, quoi. Oh, on va se prendre un but, je le sens très mal, on va se prendre un but. Oh putain, dommage, me fait chier. Hop là, est-ce que ça va faire du kill? Hop là, peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais point. Hein. Alors, une chose est sûre, c'est que ça n'a pas lancé de partie avec un arcade ennemi, hein, un arcade allié, pardon. Il n'y a pas eu d'arcade dans cette partie. Dommage, ça aurait pu être cool de voir un petit peu ce que ça donnait, du coup, arcade en mode boosté comme ça. Moi, ça m'aurait bien plu, hein, en tout cas, voilà. Là pour l'instant, il y a 1-1 partout, c'est quand même assez tendu, c'est assez chaud, je te le fais pas dire, mon frérot. C'est vraiment assez chaud quand même. Hop là, on fait en sorte de s'en sortir, hein. Et ben oui, on défend comme on peut, on arrive à faire ce qu'on peut avec, on fait gaffe, on lance le ballon. Oh putain! La défense qui arrive quand même à récupérer le ballon et à ne pas crever, hein, c'est déjà ça, c'est bien, oui. Hop là, moi j'essaye de toucher une première fois, peut-être une deuxième fois si possible, ce serait pas de refus. Attention, wow, la chie. Hop là, on touche, attention, nickel, la Shelly qui arrive à faire son kill. Moi je vais essayer de toucher là-haut. Hop là, je touche la Shelly une première fois, la Shelly une deuxième fois, et dommage, putain, je pensais pas qu'ils allaient réapparaître aussi vite, du coup j'ai ulti dans le vide, c'est pas grave. Attention, ici je fais un petit kill, parfait, là la Shelly, parfait, je vais essayer de la toucher aussi. Il faut faire des dégâts. On est venu pour faire des dégâts. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Et là, j'ai failli mettre mon but. Putain, j'ai le seum. Oh, j'ai trop le seum. Oh oui! Oh oui, le but qui passe! Oh merveilleux! Le but de la Shelly qui passe et qui fait plaisir. Ah bah oui, celui-là, mon pote, je te le fais pas dire. Il était beau! Lui, mon gars, il était beau. Elle a bien bouffé la connasse. Ah bah oui. Ah, je te le fais pas dire, celui-là, il était sympa. Il était fort sympathique. Il était muy bien. Ah que oui! Ah mais attends, mais elle est rang 21. Ah mais j'avais pas capté. Ma Shelly, ma Piper, pardon, est rang 21. Ouais, c'est cool, sympa, fort sympathique. Ok, bah écoute, c'est quoi là, je vais mettre là, je vais attaquer, hein, frérot, je vais attaquer de ce côté. Elle est cool cette map, je la connaissais pas, c'est une map toute nouvelle qui vient de sortir, du coup, vraiment sympathique, ouais, je l'apprécie. Hop là, le kill qui part quasiment, bientôt, presque, il a failli crever, il a failli bouffer mes couilles. Ah, le but qui passe de notre Shelly, waouh, shit, je vais m'en sortir. Yeah. Hop là, ici, ça part sur un kill peut-être. Oula, c'est tendu. Et non, il va mettre le but comme ça, mais c'est obligé. Mais je me suis fait avoir comme un bleu, putain. Le joueur de Kakalash qui se fait avoir comme s'il était tout débutant sur le jeu. Ah, RT6, c'est triste, mon enfant. Lâche ton plus gros pouce bleu, s'il te plaît, pour me soutenir. Et abonne-toi. Bref, on en était où, nous? Juste là, voilà, on tape, on fait notre tape, hein, bien évidemment. On essaie de toucher, c'est le but, c'est le principal, ce serait sympathique. Hop là, on met un but. Oh non, putain, j'ai cru que j'avais passé mon but comme ça, dommage. Attention, parce que moi, je suis une Piper d'élite, mon frérot, moi, je te le dis, là, sniper d'élite, attention, le tireur d'élite est là, oh oui. Le tireur d'élite est là, mon ref, viens ici, mon ref, hop là. Oh, j'ai failli l'avoir, ça aurait pu être beau. Allez, putain, les gars, il vous reste pas grand chose pour mettre le but, non. J'ai peur qu'on le mette pas, j'ai peur qu'on la perde, celle-là. Oh putain, j'ai vraiment peur qu'on la perde, celle-là, je vous le jure, j'ai peur qu'on la perde, putain, c'est incroyable. Là, vite, oh oui, j'ai réussi à récupérer
récupéré le ballon en 2-2, mon pote. Oh, je me suis mis bien bomb-locké là. La Chili, elle doit tellement avoir le seum, grosse catin. Va. Vas-y, bouffe ça, moi. Bouffe-moi ça, là. Boum. Boum, 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 boum. Oh, le kill. Oh, mais oui, il fait plaisir. Oh là là. Magnifique. Et c'est moi, le joueur star. Impeccable. Parfait. Magnifique. Parfait. J'ai rien d'autre à dire, si ce n'est je quitte. J'ai pas envie de perdre plus de trophées au cas où. Ah, c'était beau, ça. Vas-y, je récupère la boîte qui est juste ici. Qu'est-ce qu'on a dedans? 32 pièces, d'accord, plus 10 arcades et un ticket d'événement. C'est pas mal, c'est pas mal. D'accord, donc un ticket d'événement. J'ai pas de quoi le passer au niveau supérieur, au rang 6. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça peut attendre un petit peu. Il est beau. Vraiment, je vous le dis, ce perso, il est beau. On a fait qu'une seule partie avec au final. Du coup, voilà, les amis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, dites-le moi dans l'espace commentaire. Comme d'habitude, avec un beau pouce bleu pour me soutenir si jamais vous voulez essayer de faire en sorte que ma chaîne grimpe petit à petit. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis, n'oubliez pas, bien évidemment, de lâcher un méga commentaire en me disant ce que vous en avez pensé de cette vidéo, tout simplement. Ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas donc à vous abonner si vous avez aimé. On se rapproche des 16 400 au fur et à mesure. Et bien évidemment, on se retrouve sur les réseaux sociaux et sur Twitch parce que je live sur Twitch. Allez, je vous dis à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo ou à demain, je sais pas, peu importe. Prenez soin de vous, c'était Tim. Ciao, ciao. We'll be right back.